cette semaine, c'est la semaine européenne de l'énergie durable et la Commission européenne nous a sollicité pour pouvoir organiser des visites de bâtiments dits exemplaires ici à Bruxelles. Alors il est très important parmi ces bâtiments exemplaires d'avoir des bâtiments qui répondent à l'ensemble des challenges d'une ville. Nous avons une population pauvre, nous avons des prix d'énergie qui augmentent et donc c'est la raison pour laquelle la région bruxelloise promeut de manière très importante le concept passif appliqué au logement social. On behalf of the European Commission, I would like to thank Brussels and Environment, Secodas and Buildup for organizing this visit of two passive and affordable buildings in Brussels. Ces bâtiments exemplaires donc permettent de partager au niveau européen l'expérience acquise par Bruxelles Environnement et donc seront démultipliés donc au travers de cet événement mais également au travers de portails d'informations comme Buildup. Buildup is the European Commission initiative for energy efficiency in buildings, where all the building professionals, the public authorities can share their best practices on how to improve the energy performance of the buildings. And this is basically an online platform, buildup.eu. On est ici dans un ensemble de logements sociaux passifs. C'est un des premiers bâtiments passifs à Bruxelles et sans doute le premier immeuble de logement social, donc logement collectif loué passif à Bruxelles. Les bâtiments exemplaires sont un des aspects d'une politique globale. Depuis 2007, le gouvernement s'est investi à hauteur de 24 millions d'euros pour 156 bâtiments exemplaires sélectionnés. À la base, l'idée des demandeurs, ils ont demandé du passif parce qu'ils ont des moyens économiques très faibles et en demandant un bâtiment passif, ils se mettaient à l'abri de l'augmentation des prix d'énergie. We zijn gestart met een groep van 14 gezinnen uit de buurt die slecht gehuisvest waren en die geen mogelijkheid hadden om zich een goede woning te vinden in de buurt. On a choisi la maison passive, une maison durable et écologique aussi. Et moi maintenant j'habite ici, ça fait 2 ans et c'est magnifique, c'est très bien.